Derrière ce paravent de métal, à travers la mémoire de ses proches, la carrière d'une star et la vie d'un homme. Un homme et un artiste. D'ailleurs, un artiste incomparable. Hein. Et puis, un homme avec... avec une qualité humaine très très grande. C'est 33 ans de la vie de quelqu'un, donc... Et puis en plus, c'est vrai que c'est impressionnant de voir la masse de photos qu'il existe sur Johnny. C'est probablement avec Bardot, une des personnes en France les plus photographiées. On connaît de lui ses motos, la scène, ses liaisons, ses femmes, ses enfants, beaucoup de choses, mais c'est vrai que le personnage tel qu'il est dans la vie, d'ailleurs d'une simplicité formidable, Johnny Hallyday, mais pas de lunettes noires pour ne pas qu'on le reconnaisse. Il en met quand il y a du soleil. Vous pouvez arriver à maintenir artificiellement une vedette de cinéma ou de show business à travers la presse, les photos, le glamour, les grands noms, pendant un certain temps, par une image. Mais vous ne pouvez pas le tenir définitivement s'il n'y a pas derrière la qualité professionnelle. On ne vieillit pas. Piaf n'a pas vieilli. On évolue. Brel n'a pas vieilli. Brassens n'a pas vieilli. Les gens évoluent, ce qui est tout à fait normal dans la vie, mais ils ne vieillissent pas. Les artistes ont toujours 25 ans. Tous. Dernière image, 12h22, l'Airbus A340. Une immense fête du rock.